défensive à Louisa Nessib qui a été trouvée en appui haut. Ça a éliminé 2-3 lignes du PSG. Et après, Louisa Nessib a délivré un bon ballon pour Elodie Thomis qui a du pied gauche raté le cadre. Et vous avez dû voir la nouvelle banderole sortie par les supporters lyonnais. Maintenant, c'est Camille Patrice égale Ballon d'Or. On rappelle que Camille Abili est en lice pour obtenir le Ballon d'Or. Supporter lyonnais qui salue aussi Amandine Henry, la buteuse du jour qui a cédé sa place à Élise Bousaglia. Il y a quelques secondes de cela, Amandine Henry qui a inscrit, je vous le rappelle, l'unique but de ce rencontre sur pénalty à la 72e minute de jeu. Il reste 10 grosses minutes aux Parisiennes pour tenter de revenir au score. Et je suis aux côtés d'Amandine Henry qui a pris une vilaine semelle sur le pied droit. Mais Amandine, c'est pas grave, vu le but que vous avez marqué sur pénalty, vous êtes forcément heureuse et ça va mieux. Vous ressentez plus la douleur. Oui, forcément, j'espère qu'on va garder le score jusqu'à la fin du match parce que ça serait très important pour nous pour gérer l'effectif par la suite. Et puis voilà quoi. Amandine, si cet après-midi, dans 10 minutes, vous vous imposez, on pourra dire que Lyon ne pourra pas se faire rejoindre cette saison. Ça sera un énorme coup encore dans ce championnat, en route pour un 7e titre. Rien n'est acquis, mais je pense qu'on sera sur une bonne voie et il faudra continuer nos efforts jusqu'à la fin pour rester sérieuse et puis ouais, remporter le titre, ce serait bien. Merci beaucoup Amandine et félicitations pour votre but sur pénalty. Elles auront encore un super rendez-vous, les Lyonnaises, d'ici la fin de ce mois de novembre. Déplacement et une tournée au Japon. Et attention, le deuxième but n'était pas loin. Ce coup de tête de Lara Dickenman sur un centre d'Elodie Thomis. Un centre presque parfait, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'elle est très bien ajustée, bien travaillée. Et puis on voit Lara Dickenman qui passe devant Saïda Akeraz. Et puis Shirley Cruz qui a du mal à se remettre. Hein. C'est un problème physique. Elle est très bien soignée. Elle est toujours un petit peu embêtée par ses genoux. Et là, j'ai l'impression que c'est le dos qui... Ouais. Qui la pénalise. Et je suis allée prendre des nouvelles de Shirley Cruz. En fait, elle a pris un coup à la tête en première mi-temps. Et depuis, elle a un petit peu des troubles de la vision. Elle a la tête qui tourne. Elle se sent vraiment pas bien. Mais bon, il n'y a pas trop d'inquiétude quand même sur le banc parisien. Attention à ce ballon. Qui traîne, merci Karine, pour ces infos plutôt rassurantes concernant la milieu de terrain parisienne. Ça se projette vite vers l'avant pour Lyon à chaque fois, qui sur ces ballons-là, sur ces ballons chippés à l'adversaire très haut, joue très vite les coups vers l'avant. Ouais, et puis la rentrée de Lara Dickenman a fait aussi beaucoup de bien offensivement à l'Olympique Lyonnais. Elle a apporté cette largeur qu'il n'y avait pas en première mi-temps.